Je vous le disais plus haut, le chef de l'État était en partance pour Bobo-Dioulasso. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé justement à Bobo-Dioulasso en début d'après-midi. Le chef de l'État doit présider demain samedi la cérémonie de pose de la première pierre d'une usine de transformation de tomates. La construction de cette usine est l'un des projets de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC.